merci d'être venus nombreux. Nous sommes beaucoup plus nombreux que l'an dernier parce qu'il fait un temps plus agréable, c'est très bien. Donc bienvenue à Jaujac pour la 6e édition du Sentier Artistique. Donc Bob a fait une installation que vous avez déjà commencé à voir qui s'intitule Code Barre. Hello ladies and gentlemen, nice to see you on this lovely sunny day. We hope the weather will continue and the horse racing will be fine. And that we can all place bets on the horses and win lots of money. So I would just like to say a few things about. Donc le début du travail de Bob, c'était normalement devait s'intégrer dans le champ qui est derrière. Donc là, comme vous pouvez voir, le travail se trouve autour du châtaignier. Et au début, il devait écrire ses nombres et ses lignes directement dans le sol du champ derrière et creuser. Mais pour des questions de contraste avec l'herbe cet été qui va être entièrement sèche, il a décidé finalement de le faire ici et avec en intégrant des matériaux proches de l'environnement. C'est-à-dire la clé de là et ce bâtiment. Et donc, voilà, donc ils ont trouvé des pierres pour intégrer plus dans le paysage l'œuvre. And now the work is located around the tree. Donc l'œuvre de Bob est orientée nord-sud. Donc c'est aussi orienté par rapport au soleil. Et l'idée du code barre, bon, c'est quelque chose qu'on a tous les jours, qu'on voit sans le voir, enfin, mais qui se trouve à poser sur tout ce qui concerne notre vie quotidienne, tout ce qu'on possède et ce qu'on achète. Et donc l'intérêt là, pour Bob d'inscrire le code barre dans le paysage, c'était aussi d'inscrire un signe quotidien de notre vie quotidienne dans ce paysage. There's a certain archaeological feel about it, and I think in generations to come, you could imagine. Donc il y a un petit quelque chose d'archéologique aussi dans l'usage de la pierre. Donc à l'image des Romains qui nous ont laissé des constructions, cette œuvre est un peu une manière aussi de transmettre dans le futur une partie de notre, de ce que nous laisserons aux générations à venir, c'est-à-dire en l'occurrence le code barre. Okay, merci à tous les deux. On va continuer tranquillement en direction de la mare et du cratère. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc Dominique Ossage, qui est du Sud-Ardèche, qui a travaillé au pique-nique du Pêchier et une deuxième installation dans le cratère, tension active. Bonjour. Voilà, pour présenter un petit peu ce travail. En fait, j'aimerais préciser en premier lieu que je ne suis pas un habitué spécifiquement du travail, je dirais, sur la nature. Mon approche, c'est que tout lieu nous procure justement des sensations et qui sont le résultat souvent d'éléments extrêmement différents et qu'on ne perçoit finalement plus ou moins. Et en fait, dans ce travail de signe que je pose dans l'espace, c'est plutôt une façon de souligner justement certaines spécificités du lieu, quoi. Et mettre en avant justement cette sensation que j'éprouve du lieu. Donc il y a un travail de dialogue en réalité avec l'espace sur lequel je travaille. Cette partie est une deuxième partie du travail que vous allez voir au cratère, et qui est en fait un indice, je dirais, de lecture sur l'installation que vous allez voir là-haut, qui est plus grande, hein, dans l'espace, et dont la spécificité est peut-être plus difficile à appréhender. Donc ici, j'ai eu la chance, justement, le lieu s'est prêté, et de l'endroit où vous êtes, je dirais que pour la plupart, vous êtes au bon endroit pour voir, justement, ce qui caractérise cette installation. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne découverte pour la suite. Merci.
Voilà, donc on va maintenant monter au cratère et on verra en fait l'installation principale de Dominique. Lorsque la proposition m'a été offerte là, de visiter justement les différents lieux susceptibles d'accueillir ce projet, j'ai tout de suite eu le coup de cœur. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose parce que, et quand j'ai découvert ce châtaignier majestueux, là, j'étais complètement, complètement sûr, quoi. Je dirais que mon travail avait trouvé son lieu d'implantation. Et donc là, c'est un vrai travail de dialogue avec ces éléments, et ça a été vraiment pour moi un très grand plaisir de travailler dans ce lieu. Voilà, et donc je vous invite pour découvrir, je dirais, la totalité de la chose, c'est de voir dans ce petit désordre de lignes qui structurent cet arbre, c'est de voir sa structure organisée donc par un autre point de vue, puisque le discours, je dirais, est là, c'est que selon le point de vue où on se trouve, comme c'est écrit, on perçoit les choses différemment, et je vous invite donc à le voir. Du travail de Joël Thépeau, ce qui est quand même, faut bien que je le dise, ce qui est quand même, ce qui a été pour moi une grande surprise, puisque je cherchais un point de vue particulier pour la finalité de ce travail, et ce point de vue, je l'ai trouvé, il y a des circonstances assez extraordinaires, c'est que je l'ai trouvé dans le travail de Joël Thépeau, qui lui-même répond sur aussi un travail justement de lecture du paysage à travers des lignes. Donc voilà, c'était une belle rencontre aussi avec ce travail. J'ai fait une pièce qui s'intitule, comme vous avez